aujourd'hui recette très simple, vraiment, et très rapide et délicieuse à faire pour un midi quand on a la flemme. Déjà, on prend une poêle où on met un petit peu d'huile à l'intérieur. Donc, essayez de prendre une poêle qui n'accroche pas. Faites pas comme moi, la mienne est usée, il faut que je la change. Donc, ça a collé, mais avec une poêle normale, ça fera tout à fait l'affaire. Mon huile est chaude, je viens y verser deux œufs battus que j'ai battus juste avant de les verser dans ma poêle, justement. Je laisse cuire mes œufs pour faire une petite omelette. Mes œufs ont commencé à cuire, donc je viens mettre un peu de poivre. Désolée pour la luminosité, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et un petit peu de sel. Et ensuite, avant qu'elle soit totalement cuite, je viens y mettre ma tortilla. J'appuie bien pour qu'elle imprègne l'omelette, tout simplement. J'ai laissé cuire un petit peu et maintenant vient le temps de la retourner. Donc là, c'est l'étape qu'on vous ai dit. Moi, ma poêle est assez ancienne, du coup, ça a accroché. Mais normalement, vous n'aurez pas de soucis pour la retourner. Hop, la tortilla est retournée. Et maintenant, on va venir la garnir, tout simplement. Moi, j'ai décidé d'y mettre un peu de cheddar râpé. Après, vraiment, c'est selon vos goûts. Et ensuite, j'ajoute une tranche de jambon. Je viens replier les bords et laisser cuire encore quelques instants pour que le fromage vienne fondre. Et voici, c'est déjà terminé. Avec une salade, des tomates ou même juste comme ça en snack rapide quand on n'a pas le temps, c'est délicieux.